Hey! Bonjour! Aujourd'hui, la Minute Vraie se penche sur le camembert. Mais attention, pas n'importe lequel. Le camembert de Normandie. Le vrai, l'authentique, le bon, le moelleux. Celui qui sent bon. J'en ai tout un camion. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le directeur de la fromagerie Gillot. Ça vous dit? Allez, c'est parti! Alors Sylvain, bonjour! Bonjour! Vous êtes le directeur d'une fromagerie qui fabrique du camembert, mais attention, pas n'importe lequel. Non, c'est du camembert de Normandie. Alors, qu'est-ce que c'est le vrai camembert de Normandie? Il est reconnaissable à son sigle de qualité, donc AOP. Ah, celui-ci? Oui, qui correspond à une appellation d'origine protégée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son petit logo AOP sur son produit? Respecter un cahier des charges exigeant, que ça soit sur le côté production de lait, ouais. Donc avec une zone géographique délimitée, en Normandie bien évidemment, 50% de vaches normandes. Les animaux doivent passer 6 mois au pré, avec une surface dédiée pour chaque animal correspondant à peu près à la moitié d'un terrain de football. Également 80% de leur alimentation minimum qui doit provenir de la ferme. Ensuite, côté fabrication, donc là aussi quelques contraintes. Nous sommes sur du lait cru. Donc nous moulons le camembert avec 5 coups de louche espacés de 50 minutes. Ensuite, 18 heures d'égouttage, le salage, 14 jours en haloir. Et après l'emballage, une semaine dans nos caves pour affiner le produit. Et après, on a notre petit camembert prêt à déguster, quoi. C'est une sorte de tradition régionale, comme ça, qu'on se transmet de génération en génération et qui crée l'identité d'une région, quoi. Tout à fait. C'est un produit historique qui respecte énormément le temps nécessaire à sa fabrication. En tout cas, ça donne faim, tout ça. On va s'en manger un petit ? C'est parti ! Allez !